Un grand-père ne t'a jamais tapé, t'a jamais insulté, t'a donné que de l'amour. Il n'a jamais attaqué, fait du mal à qui que ce soit du côté de ton père. Je pense que même son statut a aidé beaucoup là, son trafic. Le diable est en train de nous tenter. Et le chemin qu'on risque de prendre là, ça sera le chemin de non-retour, Clark. Je demande pardon. Je demande pardon, Clark. Calme-toi. Au nom de Dieu, calme-toi. Pour toi, je te demande pardon. Calme-toi. Rentre pas dans son jeu. Il a pris ma voix et t'a envoyé pour te rendre fou. Et il a pris ta voix et l'a jetée sur la toile pour rendre tout le monde fou. C'est le diable. Ce garçon, c'est un diable. Calme-toi. Calme-toi. Ta maman, elle peut crier là-bas derrière. Ta maman, elle est sortie du même ventre, même père, même mère. On sera dans le même village à la fin. Alors calme-toi. Laisse passer la vague. Recule. Recule. On se retrouvera. Tu me casseras la figure, Clark. Tu es fort. Je suis très heureux que tu sois fort. Tu sois même plus fort que moi. Je suis très heureux que tu aies tabassé tout le monde dans la rue plus que moi, Clark. Je suis tellement heureux pour ça. Mais je te demande pardon. Je te fais à genoux devant toi, Clark. Je suis à genoux. Reprends-toi. J'irai te voir. Je préfère me faire casser la figure par quelqu'un de ma famille. Je ne t'en veux pas. Tu as le diable en toi, mon garçon. Il a le diable en lui. Ce qu'il a fait, c'est le diable. Même les autres sur la toile là, de la famille qui vont écouter ça, restez calme. Restez calme. Laissez monter la vague. Restez calme. Restez calme. Voilà tout ce que j'ai à te dire, Clark. C'est le diable qui siffle dans nos oreilles. C'est le diable qui siffle dans les oreilles, Tony. C'est le diable qui siffle dans tes oreilles. Et le diable, quand il rentre dans les oreilles, on n'est que des humains. Il joue sur nos émotions. Il fait monter notre colère. Il fait montrer notre pulsion. Notre ego devient plus fort. Et c'est le début de notre destruction. Le diable est en lui en ce moment. Alors, j'accepte d'être un bouffon, une merde qui a tapé personne dans la rue. Je ne veux pas porter la croix de qui que ce soit dans mon âme. Je vais être en paix. Mais Clark, je te demande pardon. Reste calme. T'es mon fiston. Prenons du recul, voyons-nous. Si tu veux, tu me boxes comme tu l'as déjà fait. Tu te rappelles, quand je produisais ton album, tu m'as boxé, je suis resté calme. Après, tu m'as demandé pardon. Tu m'as bien boxé. Nombre de fois que tu m'as agressé, je suis resté calme. Calme. Après, tu m'as demandé pardon. Pour toi, je peux faire un genou devant toi. T'es mon fils. T'es le fils de ma sœur. J'ai tout traversé dans la rue avec toi. La colère te fait dire ça, mais tu sais au fond de ton cœur. Au fond de ton cœur, Clark. J'ai tout traversé avec toi. À force de marcher avec des hyènes, ils te bouffent ton âme, Clark. Ça te met mal. Ils sont contents. Hyène est content. Le diable est content. Fiston, prends du recul. Le diable nous tente. Alors, pardon, là. Restons calmes. Pour toi, je peux faire un genou. Parce que j'ai entendu la voix de ma soeur derrière. Et je peux pas. Je peux pas. J'ai fait une erreur en parlant à ce diable. J'ai fait vraiment une erreur. Mais c'était en privé. J'ai compris après qu'il voulait m'exciter pour prendre ma voix et balancer. J'ai compris après. C'est le diable.
Ne laisse pas le diable t'emporter, Clark. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas moi l'ennemi. C'est pas moi ton ennemi. C'est pas moi qui t'ai fait rentrer dans l'état de violence. C'est pas moi. Toi et moi, on le sait. Tu rentres dans une colère et tu détruis tout. Et là, c'est l'enfer. Là, il nous fait plonger dans l'enfer. La rue, c'est l'enfer. La rue, c'est l'enfer, c'est les abîmes. La rue, c'est faire le mal. Là, on est en train de se vanter d'avoir fait du mal à des gens dans la rue. C'est l'enfer. Quand on fait la rue, on traverse les abîmes pour essayer de trouver une lumière et sortir de ça. Sinon, c'est l'enfer. Clark, arrête tes conneries. Moi aussi, j'arrête. Voilà, pardon.